Chapitre 26, la crinité de Jupiter, Zeus, mythologie. Il y a Cécile Vidal du présent qui vient récupérer Frédéric pour l'emmener à Leclerc pour acheter des vêtements. Frédéric pense, il faut pas qu'elle se rend à se croisant, ça pourrait modifier le futur de Cécile, car cela voudrait dire qu'elle m'aurait vu en trois personnes à deux âges différents. Elle pourrait passer pour une folle, déjà que moi je passe pour un fou. Si elle en parlait, les codes secrets de la Bible confirment la théorie de Albert Einstein. Donc les mondes parallèles sont réels. Il y a des mondes multiples, chacun son double, et il y a une raison pourquoi Dieu ne tue pas le diable, car son opposé et son contraire sont eux aussi incarnés sur terre. Direction, j'ai pété les plombs, j'ai quitté l'école. Chapitre 3, t'auras la suite demain. 24 novembre 2017, mercredi 29 novembre 2017, Frédéric et Cécile vont à Leclerc acheter des vêtements. Ils prennent des slips Athéna et Frédéric pense, les pantalons, ça va être la guerre pour les maîtres, car les slips sont d'Athéna. Frédéric et Cécile vont à la caisse pour payer. Il y a deux filles caissières et c'est plus cher, car il faut payer les deux caissières. Et Frédéric pense, ça pue, j'ai encore lâché une caisse. Et Frédéric pense, mariage pour tous, pour lui les caissières sont deux lesbiennes prostituées. La dame demande, vous avez 1 euro, Cécile me passe 1 euro pour que Frédéric compte rembourser. Quand il aura fait la monnaie, la vendeuse lui vend le pantalon qui a choisi, et bien sûr, elle laissant l'antivol. Je prie Jésus-Christ pour Jésus-Christ. Je prie Jésus-Christ pour fusionner avec Jésus-Christ. Je prie Jésus-Christ pour Jésus-Christ biologique. Je prie Jésus-Christ pour que les fruits de mes arbres soient de meilleure cuisine. Je prie Jésus-Christ pour avoir de la chance dans la vie, je gagne toujours. Je prie Jésus-Christ pour avoir toujours raison, j'ai toujours raison. Je prie Jésus-Christ pour bloquer la mort et la maladie, immortelle, l'au-delà et l'infini, mourir plus pour ressusciter plus. Je prie Jésus-Christ pour être un vrai sorcier. Je prie Jésus-Christ pour avoir la clairvoyance. Je prie Jésus-Christ pour être un vrai prophète.